Comme on l'a ma beaucoup dans partout. Élève tes mains partout. Manako komisae. Yebsae lisusu merci encore. Dis-lui encore une fois merci. Pour ce privilège d'être vivant ce matin. Selon le calendrier des hommes. Qui est Mboula Yasika. Au Pessingaï souffle de vie. Tu nous as donné le souffle de vie. Natele ma libosonayo parmi bassin. Toye libosonayo nangongoyo. Nous sommes venus auprès de toi en cet instant. Kosanjola yo kopambula yo e kolobela. Mboula Yasika opesibiso. Olobi, les mots que vous déclarez maintenant reflètent votre sophitude. Merci pour ta parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Selon le calendrier des hommes, c'est nouvel an. C'est pour dire un autre commencement. Alléluia. Dans cette course, cette année-ci, la victoire t'appartient. La protection t'appartient. La préservation t'appartient. Dans Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Verset 16, version d'Arby, j'ai dit au nom de Jésus-Christ. Yes. Toute écriture est inspirée de Dieu. Combien d'écritures? Toute écriture est inspirée de Dieu, s'il vous plaît. Pourquoi ça? Parce que nous allons lire tout à l'heure dans l'écriture ce que Dieu a fait avec les êtres humains comme nous. Pas dans une autre terre, mais cette même terre. Pour que ta foi soit boostée. Parce que ce Dieu-là n'a pas encore changé. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec eux, il va le refaire avec toi aussi. Abongwanite, abongwanakate. Les mêmes. Hier, avec les enfants d'Israël, les mêmes aujourd'hui avec nous, il restera les mêmes pour toujours. Il ne change pas, mais il peut changer tout. Il peut changer ta vie, il peut changer ta statue, il peut changer tout. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir. Attends, quoi? Lis ça encore pour moi. 1 Corinthiens 10. Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, version d'Arby. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elles ont été écrites pour nous servir. Attends, de quoi? Avertissement. Yes. Makambo nyoso ekwela ki bango ezalaki ndakisa. Ezalaki ndakisa. Bakoma yango pona kokebisa biso bato oyo. Bakoma yango pona kokebisa biso bato oyo. Tokomi na mikolo ya suka. Tokomi na mikolo ya suka. Est-ce que tokomi na mikolo ya suka te? Aba tayo moko. Tokomina makambo ebele ya denge ya denge. Ouais, diverses choses arrivées. Monique bokili oyo. Kaka denge salami na tango ya ba Sodome et Gomorra. Ezo salema men. Dès que c'est arrivé au temps de Sodome et Gomorre, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Exode 8. Exode chapitre 8. Mais je vais donner un petit résumé. Dieu a envoyé Moïse. Comme il m'a envoyé chez toi ce matin. Moïse vient, ainsi dit l'Éternel. Et dans chapitre 7, Dieu a dit à Moïse. Moïse, vois, je te fais devenir Dieu devant Pharaon. Na commission Zambe, Libosona. Va! Kende! Fais sortir mon peuple Israël hors d'Égypte. Bimisa libota nanga Israël ba bima na Égypte. Afin qu'il me serve. Poete bango basale langai. Alléluia. Amen.
Maintenant, pour vous faire sortir, Dieu doit d'abord manifester sa puissance. Démontrer sa puissance à travers de Moïse. Exode 8, 21 à 24. Verset 21, version d'Arbi, j'ai dit au nom de Jésus. Oui. Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, j'enverrai contre toi et contre tes serviteurs et contre ton peuple et dans tes maisons la mouche venimeuse et les maisons d'Égypte. Et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches venimeuses et aussi le sol sur lequel ils sont. Alléluia. Amen. La mouche venimeuse et les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches venimeuses et aussi les sols sous lesquels ils sont. Verset 22. Verset 22. Et je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen où se tient mon peuple, en sorte que là il n'y ait point de mouches venimeuses, afin que tu saches que moi, l'Éternel, l'Éternel, je suis au milieu du pays. Alléluia. Dieu a dit, je distinguerai, je vais préserver mon peuple. Malgré que mouche venimeuse est partout dans le pays d'Égypte, mais là où résident les miens, mon peuple, je vais les préserver. Verset 23. Et je mettrai une séparation entre ton peuple. Ce signe sera pour demain. Ceci sera pour 2022. Et que sera pour la 2022. Maintenant, que celui qui a les oreilles écoute ce que le Saint-Esprit dit. Ceci sera pour demain selon là-bas, mais ceci sera pour 2022. Dieu va mettre la séparation entre son peuple et le peuple du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 24. Verset 24. Et l'Éternel fit ainsi. Voilà. Et les mouches entrèrent en multitude dans la maison du Pharaon et dans la maison de ses serviteurs. Et dans tous les pays de l'Égypte. Le pays fut ruiné par les mouches venimeuses. Merci. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous réfléchissiez tel que je prêche. Pour que cela vienne en aide à votre foi. Écoute la voix du Saint-Esprit. Ils peuvent être assis tel qu'ils sont sans là. Ok, nazo itse ba comme exemple. Monsieur John et Monsieur Jack bavandi ensemble. Il y a Monsieur X et Monsieur Y qui sont ensemble. Jean a contacté Lokomabe. Le premier a contacté. Jack P. Azaba en apembenaye. L'autre aussi à côté. Et Loko est comme les gens. Ce qui est arrivé au premier. Et comme les Jack T. N'arrive pas au second. Malgré que Bavandine, hein? Et si comme. Bien que les deux sont au même endroit. Ok, dis-moi. Est-ce que Zambia a filé pour. Et Loko est côté Nakouyaba égyptien? Est-ce qu'il a filé? Mais ce qui est à lobby, assis à lobby. Nous sommes des fils et filles. La parole de Dieu nous a été donnée pour booster notre foi. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir en tant qu'exemple, en tant que référence. Amen. Tout ce qui va arriver dans cette nouvelle année, que ça te bouge pas. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà pourquoi ces choses sont écrites.
À ce moment ici, tu peux se référer à ce que Dieu a dit dans sa parole. Il est fidèle. Il est fidèle. Je dis, il est. Dieu est. Alléluia. Il a mis une séparation totale. Quelqu'un dit séparation totale. Entre son peuple et l'autre peuple. Et l'Éternel fit ainsi. Dengi a salaki wana. Ako sala pona yo na mbula oyo. To komi na ngonga oyo batu bako vivre man. Amen. Loko esalami na desert man. Yes. Bilei mysterious. Provision surnaturelle. Nous sommes arrivés dans une période où on va vivre des provisions surnaturelles. Laisse-moi te dire, depuis la création du monde, il n'y a pas aucune génération où il y vivre activité angélique comme dans notre direction maintenant. Bah angélu bah kitina mokili bah kosa la musala. Il y a makambu ya dengue ya dengue. Pona ba oyo bandimi zambe. Yango il faut di mazambe na tongo alelo. Oko vivre des visitations angéliques, des interventions angéliques. Alléluia. Eloko ebungi na kisasa. Une chose qui était mutu a quelques kilomètres, ce qui combien de milliers de kilomètres. À plusieurs milliers de kilomètres. Ake kore tuvi ango kuna. Et allé retrouver ça là-bas. Ça c'est intervention angélique. Dieu m'a dit de vous dire. Exactement. C'est l'heure. Bana nanga bako vivre visitation angélique. Où mes enfants vont vivre des visitations. Ba oyo bandimi. Celles et ceux qui croient. Pas tout le monde. Batonion sauter. Parce qu'il a dit qui te soit fait selon. Et qu'on sait de quoi qu'un dégue on dit mi et l'obi Yesu. Au commun a. Pendant que ta provision peut expirer, tu verras qu'elle ne fait que s'accroître. Aïe maman, chalamando, soprozi alama. Alléluia. Tant qu'on a nous tous en accord, tu pensais cash physique. Okomona, nazo prophétiser maintenant. Okomona, bongo na yo, soki oche 1000, ekubaiska, ekomi 5000. Pendant que nous utilisons encore des billets, vous verrez votre argent qui était à 1000 francs. Ça, c'est ce qui va se passer dans cette année. Alobi, il a dit, nakati a multitude de péchés, ma grâce sera sur abondée. Ngonga batu bako vivre grâce sur abondée. Yango tokomi. Parce que la raison principale pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, c'est pour qu'il me sert. Dès que tu es en train de servir Dieu avec tout ton cœur, Dieu va te préserver. Dieu va te protéger. C'est le temps, c'est l'année là où on devait faire l'évangélisation. Alléluia. Amen. On devait propager l'évangile dans cette année. Plus que Pharaon. Laisse mon peuple aller pour qu'il me serve. Exode. Chapitre 9, verset 1er. Ouais. Version d'Arbi, je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse. Va vers le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Verset 2, car si tu refuses de le laisser aller et que tu les retiens encore, voici, verset 3, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont au champ, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros bétail et sur le menu bétail. Il y aura une très grande peste
Verset 4, et l'Éternel distinguera entre le troupeau des Israélites et les troupeaux des Égyptiens, et rien ne mourra de tout ce qui est au fils d'Israël. L'Éternel distinguera. L'Éternel va faire une séparation. Entre les troupeaux des Israélites et les troupeaux des Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. Et rien, quelqu'un dit rien. Rien. Rien ne mourra de tout ce qui est au fils d'Israël. L'Éternel distinguera. Yahweh a causé la bokeseni. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est ici pour prophétiser à ta destinée pour 2022. Maintenant, na lingi otumu la maboko nayo. To yamba parole prophétique de l'année 2022. J'aimerais que tu lèves ta main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'a déclaré. Je déclare. 2022 est notre année de préservation totale. C'est votre année de la préservation à 100%. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ de Nazareth va te préserver. C'est votre année de la préservation. 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 Au nom de Jésus. Au Télémi, au Kozala préservé. Au Lali, au Kozala préservé. Au Zotambola, au Kozala préservé. Yambangoluana. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Pimi, préservation. Au Zoteka, préservation. Batubazo Koufa à gauche à droite, préservation. Zambé Yaba Israeli. Oyo a préservé Kibango. Na Egypte. Azo préservé aussi. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Mutumoka ganga, préservation. Ganga les sous préservation. Alléluia. Na telemi. Je me tiens. Et na sakoli. Et je prophétise. 365 jours. C'est 365 dans jours. Cette année 2022. Oyo, Jésus-Christ de Nazareth te préserve. Te préserve. Te préserve. Te préserve. Ata dengenini. Et loko comme li ba Égyptien et comme la yote. Nalobi et loko comme la ba Égyptien génération habituée comme la yote. Osa épanoui. Osa préservé. Au nom de Jésus. Bete la Yesu maboko makasi. Nani ayoki matea. Écoutez les messages. Oyoki phrase wana ebili comme dernière fois. Mbala mina mbala. Oyoki pe révélation à Lyoba Zambe. Est-ce qu'on dit que tu es préservé? Dieu ne parle pas en détail, parfois Dieu parle en gros. Ce que je suis venu, ce qu'on m'a envoyé, te dit. Les vents peuvent souffler. À gauche, à droite. Toutes tempêtes peuvent souffler. Mais ce que je sais, c'est que je prophétise. 2023. Osa préservé. Nalobi osa préservé. Nalobi osa préservé. Oh. Le prophète a parlé.
Alléluia. Au moni bati oyo baza sensible ba comprendre langage ya Zambe. Tu peux dire c'est une erreur, mais le Saint-Esprit sait ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Nadia yebi ke nalobaki ke. Qui sait que j'avais 2022. Non, nalobaki 2020 as a grand frère ya 2019. Yes. Après nalobi 2021 as a grand frère ya 2020. Maintenant, tozana 2022. Nous sommes en 2022. Yeba ke comment yango lelo 2023 as a grand frère munene. Il y a 2022. Alléluia. Amen. Au commun à signe en 2022. Vous verrez des signes. Mais, Kasi. Mon pépé, yon se kobeta. Tout Zalana Kimia. Sois calme. Osa préservé. Tu es préservé. Ainsi dit l'Éternel. Tu es préservé. Amen. Nalobi, tu es préservé. Kobo sanate. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous accueille au nom de Jésus. Nambula Nabiso dans notre année 2022. Il y a préservation totale. Soyez le bienvenu dans cette nouvelle année de préservation totale.